Quel est le sens de la vie? On est là pour une raison précise? Est-ce qu'il y a un but à tout ceci? Et pourquoi la nourriture a meilleur goût quand elle est dans la poubelle? Ça, c'était moi. Et là encore moi. Et ce petit-là aussi. De nombreuses vies pour un seul chien. Mais je m'emballe un peu. Commençons par le commencement. Pour moi, tout a commencé avec un petit garçon. Il s'appelait Ethan. Je m'appelais Bélé. Non, s'il te plaît, Bélé, fais-le. Qu'est-ce qu'il me veut, là? Fais-le, mais fais-le. Quand Ethan était tristounet, je savais exactement quoi faire. Prêt? Que oui. Allez, attrape. On jouait avec ce ballon tout l'après-midi. Ethan adorait ça. Parfois, il avait juste besoin d'un petit coup de patte. Oh, wow. Pardon, c'est le chien, c'était pas moi. Alors, faudrait peut-être apprendre à ce chien les bonnes manières. On passait toutes nos journées ensemble. Ils se battent pour avoir de la nourriture? Non, rien à manger là-dedans. Les années passaient, et je comprenais que pour Ethan et moi, ça touchait à sa fin. Au revoir, Bailey. Tu vas me manquer. Et puis, c'est arrivé. J'étais de retour, mais j'avais pas de... Tu es une fille? C'est bien, ma fille. J'avais un nouveau but. On avait encore besoin de moi. Et encore. Et encore. Salut, toi. Chaque nouvelle vie m'enseignait une nouvelle leçon. Hey, on s'est pas déjà rencontrés? Où est-ce que t'as trouvé ça, toi? Ok, prêt? Attrape! J'ai essayé de trouver un sens à tout ce que j'avais vu. Quel était le but de mon voyage? Et quel rapport avec le bacon? Et si j'arrive à vous sentir aimé, j'aurai atteint mon but. Ethan, pourquoi t'as toujours ton chien? C'est ta gonzesse ou quoi? Le chien s'est foutu de toi. Les chiens, ça rigole pas. C'est marrant.